René Bougnot souffre encore beaucoup, Rondon l'a attendu pour limiter l'écart à 4 minutes 44. Plus dur pour Laurent Fignon, qui a énormément donné pour son leader. Fignon attendu lui par Tebaldi, il est rejeté à plus de 14 minutes. On le sait maintenant, Laurent Fignon est maudit à l'Alpe d'Huez. Et pourtant, ce matin... Ça fait un moment que j'essaye de gagner à l'Alpe d'Huez, j'ai jamais réussi. J'ai fait toujours les 5 premiers et je marche bien, donc je vais essayer. Je peux vous dire que ça. Et Laurent pourra vraiment essayer. Les 5 stabilisent leur écart dans la descente. Et en filant vers l'Alpe d'Huez, il nous montre que leur entente est absolument parfaite. Les relais sont courts, bien rythmés. Une victoire d'étape comme celle-là suffit à motiver tout le monde. Derrière, dans le peloton en maillot jaune, qu'a pu réintégrer Gianni Bugno, Pascal Lino est là aussi, bien présent. Je me sentais bien, même hier je me sentais bien. J'étais un peu déçu quand Capucci m'a lâché, mais il était vraiment fort, Capucci. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, putain, faut que tu fasses un truc. Et je me suis accroché et... Je suis vraiment content de moi aujourd'hui. C'est Tiapucci. Le train Indurain Rominger passe à l'heure. Rominger, comme hier, engrange les points pour le Grand Prix de la Montagne, dont il prend d'ailleurs à sa tasse le maillot. Le groupe maillot ne compte plus que 8 unités, il passe avec une quinte. Millard, pendant ce temps-là, plonge déjà vers la vallée, tête baissée, en ne se doutant pas que le vrai ménage se fait. Poursuivant se rapproche irrémédiablement. Avant d'attaquer la grande difficulté, la dernière difficulté du jour, la montée vers l'Alpe d'Huez. C'est parti pour les 5, déployés sur toute la largeur de la route. Ici, c'est possible, la foule n'est pas encore aussi compacte. 3 minutes 35 plus tard, Gorospe et Bernard Romain Indurain dans un fauteuil pour l'ascension. Jean-François Bernard qui se sent bien en cette fin de tour, qui aimerait mettre cette étape à son palmarès, mais qui joue son rôle à fond. Ce qui compte, c'est Indurain. S'ils me laissent tous partir, gagner l'étape, je refuserai pas. Non, mais je crois que j'ai d'abord du travail à faire avant. Je me reste à côté de Miguel et je crois que c'est d'abord le maillot jaune avant de penser à la victoire d'étape. Yeah!